Il était une fois un musicien. Sa voix, dit-on, possédait d'incroyables pouvoirs. Douce comme le miel, chaude comme le bonheur, ferme comme le plus solide des métaux, elle attendrissait le cœur des mortels, même celui des hommes les plus durs. Il suffisait à Orphée de caresser les cordes de sa lyre et le loup se mettait à trotter à côté de l'agneau. Le renard suivait le lièvre. Sur son passage, les rivières détournaient leur cours pour venir l'écouter. Les pierres et les rochers bouleversés se soulevaient de terre. On dit même que certains soirs, les dieux, émerveillés, se penchaient du haut de l'Olympe pour mieux entendre son chant. Pourtant, Orphée n'est pas tout à fait un dieu. Disons, un demi-dieu. Il est le fils de la muse Calliope, muse de la poésie et de l'éloquence, certes, mais aussi d'un homme mortel, le roi de Thrace, Euagre. À sa naissance, Apollon, dieu de la lumière, protecteur des poètes, vient déposer une lyre au pied de son berceau. Pas n'importe quelle lyre, une lyre magique, ensorceleuse, dotée de 9 cordes. 9 en hommage aux 9 muses. Un geste suffisant pour qu'une rumeur se mette à courir sur le compte du nouveau-né. Et s'il était le fils d'Apollon lui-même. Orphée grandit, veillé par les muses. Ce sont elles, ensemble réunies, qui vont apprendre à l'enfant à jouer, à écrire, à composer, à chanter. Orphée apprend vite. Encore enfant, il fait danser jusqu'aux arbres des forêts primitives. Les très vieux chênes de Grèce s'en souviennent encore, et certains d'entre eux sont restés figés dans leur dernière danse. Ce chant irrésistible célèbre la naissance du monde, l'origine des dieux et des hommes. Il arrache l'humanité à sa part animale pour la conduire vers une vie plus douce, plus civilisée. Orphée grandit, et avec lui, son talent. Mais le jeune homme a le goût de l'aventure. Il rêve de voyages et de fabuleux exploits. Alors, il part sur les routes. Là où il passe, les hommes et les femmes le vénèrent, l'accueillent avec des guirlandes de fleurs, l'acclament. Un matin, alors qu'il entre en Thessalie, il apprend qu'un certain Jason prépare une expédition pour s'emparer d'un objet extraordinaire, la toison d'or. Cette toison est en réalité la fourrure d'un bélier ailé, Chrysomalos. Voilà des années qu'elle se trouve suspendue à un chêne dans un bois sacré, quelque part au bout du monde, en Colchide. Orphée est fasciné par l'histoire de cette toison et entreprend d'écrire un chant. Comment ce mystérieux objet, la toison d'or, est-il arrivé au bout du monde, si loin de la Grèce ? C'est par la faute d'un banal conflit familial, apprend-il. Un frère et une sœur, Phrixos et Élée, étaient en proie à la vindicte de leur belle-mère. L'affreuse marâtre, jalouse de ses enfants d'un premier lit, avait décidé de s'en débarrasser en les faisant immoler par leur propre père. Pour lui échapper, les deux enfants, Phrixos et Élée, supplièrent Zeus de les sauver. Ému par leurs prières, le maître de l'Olympe accéda à leurs suppliques et il leur prêta son bélier ailé à la toison d'or et aux cornes d'or, le bélier Chrysomalos. Les deux enfants l'enfourchèrent et s'envolèrent vers la Colchide. Hélas, pendant le trajet, ailée, bien trop curieuse, se pencha un peu trop et tomba dans la mer, juste à l'entrée du pont Euxin, qui porte désormais son nom, Hellespont.
Une fois arrivé en Colchide, Phrixos sacrifia le bélier en l'honneur de Zeus. Et il accrocha la toison d'or à un chêne sacré. La récupérer eût été simple si le roi qui régnait sur le pays n'en avait confié la garde à un effroyable dragon. Un animal monstrueux qui, d'un jet de flamme, carbonise quiconque ose s'approcher. Qu'importe à Jason les dragons ou autres créatures infernales, il a 20 ans, et à cet âge, on ignore la peur. Rien ne l'empêchera de récupérer cet objet mythique. Car c'est un royaume qui est en jeu. Et pas n'importe quel royaume. Le sien. S'il décroche la toison d'or, il remporte un trône. Il sait que tous ceux qui s'y sont risqués ont perdu la vie. C'est un voyage terrible, plein d'embûches. Orphée, bien qu'informé des dangers, propose ses services à Jason. Jason hésite. À quoi pourrait bien lui servir un musicien? Pire encore, un poète? C'est d'un soldat dont il aurait besoin, ou bien d'un marin aguerri. Orphée insiste. Sa lyre, promet-il, don du dieu Apollon, soutiendra l'effort des rameurs. Ses poèmes regonfleront le cœur de ses compagnons dans les moments de désespoir. Jason accepte. Il ne reste plus qu'à trouver un bateau. Ce sera l'Argo, du nom de son architecte, Argos. Une nef géante. L'équipage est composé de l'élite des héros et des princes venus de toute la Grèce pour prendre part à la grande aventure. Jason en choisit 52, les Argonautes. Le grand voyage commence. Un voyage qui aurait pu être sans retour si Orphée, précisément, n'avait été là. Tous ceux qui l'ont accompli s'en souviennent. Et tous ont conservé en mémoire le rôle du musicien prodige. Du premier au dernier jour, Orphée calme les tempêtes par ses chants, apaise les colères de l'équipage, rythme la cadence des rameurs et trouve les mots pour les galvaniser. Orphée réussit à faire reculer les rochers de Saint-Plégade lorsque ces derniers s'avancent, menaçant de briser le navire. Il charme le terrible dragon, gardien de la toison d'or. Mais il fait bien plus encore. Nous sommes sur la route du retour. Il fait presque nuit. L'Argo vient d'arriver aux abords d'une île inconnue. Le vent s'est levé. La mer commence à frémir. Tout à coup, un essaim de jeunes filles magnifiques, sublimes, surgit de l'eau. Elles commencent par nager langoureusement autour du navire. Puis elles se mettent à chanter. Un chant étrange, une sorte de mélopée, lente et lugubre. Et ce chant s'élève et envahit le ciel et les étoiles naissantes. Bientôt, on voit les marins ensorcelés, prêts à se jeter dans la mer pour rejoindre ces démoniaques créatures. Ce sont les sirènes. Sous leur apparence séduisante, les sirènes sont des êtres maléfiques. Mi-femmes, mi-poissons, elles sont destinées à vivre aussi longtemps qu'elles parviendront, par leur chant, à empêcher les mortels de poursuivre leur route. C'est à ce moment-là qu'Orphée intervient. Saisissant sa lyre, il entame à son tour un chant si merveilleux, un chant si pur qu'il couvre celui des sirènes. Incrédules, les sirènes font silence et disparaissent. L'Argo est sauvé. On raconte que, désespérés d'avoir été ainsi surpassés, les sirènes se sont suicidées. Pourtant,
au moins deux d'entre elles étaient encore là, quelques générations plus tard, lorsque Ulysse croisa dans les parages. L'épopée de la Toison d'or achevée, Orphée entame un nouveau voyage. Il part pour l'Égypte, où il est accueilli par les prêtres de Memphis. Il va y rester 20 ans. En Égypte, Orphée découvre de nouveaux rites initiatiques. Il s'imprègne de nouvelles divinités sans pour autant renier celles de l'Olympe. Fort de ses nouvelles connaissances, Orphée inspire un nouveau courant, presque religieux. Il recommande à ses adeptes, de plus en plus nombreux, de ne plus se nourrir de viande. Pour les dieux, cette recommandation est une véritable provocation. Jadis, Prométhée, le titan rebelle, avait condamné l'espèce humaine à manger de la viande pour survivre. Prométhée avait assujetti l'humanité à la faim et à la mort. Par son refus de se nourrir des animaux morts, Orphée brise le processus. Et du même coup, tout le système politico-religieux mis en place par Zeus et Prométhée. Orphée est en train de rompre avec un certain type de communication établi depuis toujours entre les hommes et les dieux. Mais c'est en rencontrant la belle Eurydice qu'Orphée met véritablement le pied sur le tranchant de son destin. Un matin, Orphée se promène à l'orée d'un bois. Le soleil est éclatant, le ciel d'un bleu parfait. Elle est là, Eurydice. Eurydice est une dryade, une de ces nymphes qui vit parmi les arbres et les bosquets. Orphée, qui jusque-là était resté insensible à presque toutes les femmes, est frappé au cœur de plein fouet. Eurydice est celle dont il a rêvé toute sa vie. Elle est son double, l'incarnation de ses rêves les plus tendres, le chant qu'il n'a jamais chanté. Lorsqu'Orphée lui demande de l'épouser, Eurydice n'hésite pas, elle accepte. Vient le jour des noces. Orphée y a convié le banc et l'arrière-banc des dieux. Tous sont présents. Mais tandis que la fête se déroule, un événement très étrange se produit. Un événement que nul ne remarque. Alors qu'il n'y a pas le moindre souffle de vent, la torche du dieu Hymen, le dieu qui veille au bon déroulement des mariages, se met à vaciller, à trembler. Et elle finit par s'éteindre. Funeste présage. Les mois passent. Orphée et Eurydice vivent un amour sans nuages, jusqu'au jour où éclate le terrible drame. Assis à l'ombre d'un grand chêne, Orphée compose un poème. Non loin, les nymphes valsent dans la prairie. Le temps est au bonheur et à l'insouciance. Eurydice s'éloigne pour suivre l'eau murmurante d'une rivière. Au bout de quelques minutes, elle pénètre dans un sous-bois jonché de soleil. Elle s'allonge parmi les anémones. À peine s'est-elle endormie que surgit un jeune berger. Il s'appelle Aristée. Il est tout de suite ébloui par la beauté d'Eurydice. Il fait quelques pas, se penche sur elle pour mieux la contempler. Au moment où il tente de l'enlacer, Eurydice s'éveille et pousse un cri. Prise de panique, elle se redresse et s'enfuit à travers champs. Elle court, et dans sa course folle, elle ne voit pas le serpent qui rampe sur son chemin. Vif comme l'éclair, le reptile bondit et la mord à la cheville. Eurydice chancelle et s'effondre dans les hautes herbes. Lorsqu'Orphée la retrouve,
Eurydice est déjà morte. Le cri de douleur que pousse Orphée fait fuir les nymphes, trembler les arbres. Fou de désespoir, Orphée ne peut se résoudre à la perte de l'être qu'il aime le plus au monde. Puisque la mort lui a volé Eurydice, alors il ira l'arracher à la mort. Orphée ose ce qu'aucun mortel avant lui n'a jamais fait, descendre aux enfers, dans ce lieu d'où nul n'est jamais revenu. Orphée prend sa lyre et se met en route. Il traverse des paysages désolés, lugubres. Il franchit des plaines infectes, chargées de fumerolles. Il contourne des lacs profonds, bouillonnants de soufre. Et il parvient, non sans mal, jusqu'au marécage fétide du fleuve Achéron, qui se jette un peu plus loin, dans le terrible Styx. Là, dans les ténèbres, Orphée voit venir à lui le radeau du vieux Charon. Devant l'inflexible passeur du Styx, puis devant Cerbère, le chien à trois têtes qui garde la porte des enfers, Orphée se met à chanter. Un chant si beau, un chant si parfait, un chant si émouvant, que Charon et Cerbère, totalement charmés, accepte de le laisser entrer. Orphée s'enfonce plus encore vers le pays des morts. Le voilà maintenant devant le maître des enfers, le tout-puissant Hadès, et son épouse, la reine Perséphone. Humblement, Orphée s'incline devant eux. Puis à nouveau, il pince les cordes de sa lyre et entonne le cantilène de son regret. Ses grands yeux graves fixent Perséphone, dont il connaît la pénible histoire. Après tout, elle aussi avait subi la cruelle séparation lorsque Hadès l'avait enlevée à sa mère pour l'entraîner ici, dans les enfers. Quand ils entendent la complainte d'Orphée, tous les damnés du Tartare sont soudain pris d'un trouble insolite. Les Danaïdes cessent d'emplir leur urne sans fond. Sisyphe s'immobilise sur son rocher. Tantale renonce même à atteindre l'eau qui sans cesse le fuit. Et la roue d'Ixion interrompt sa course infinie. Tout, dans ce monde de pierre et de désolation, semble pénétré par le chant du poète. Hadès et Perséphone, eux-mêmes, sont émus aux larmes. Soit, déclare Hadès, tu peux reprendre Eurydice, mais à une condition qui est la loi de ce royaume. Tu devras précéder ton épouse sur les trois chemins qui mènent à la surface, et ne jamais te retourner pour la regarder. Jamais. Pas avant d'avoir atteint la lumière du soleil. Orphée, fou de joie, accepte. Et c'est là que tout va basculer. Orphée reprend le chemin qu'il a emprunté. Il marche. Quelques pas derrière lui, se tient désormais Eurydice. Il marche et ne se retourne pas. L'un derrière l'autre, à travers un silence que ne trouble aucun bruit, Orphée et Eurydice cheminent. Sur un sentier abrupt et semé d'éboulis, ils grimpent, ils enjambent des vides béants. Noyés dans un épais brouillard, ils épousent les courbes de précipices effrayants. La lumière est proche, encore quelques pas, et ils pourront apercevoir les premières lueurs du jour. Et à ce moment précis, alors qu'il touche au but, Orphée se retourne et plonge ses yeux dans ceux d'Eurydice. Aussitôt,
Eurydice, la malheureuse Eurydice, recule, effarée, les bras désespérément tendus vers Orphée pour qu'il la retienne. Mais il n'est plus temps. Eurydice, dans un sanglot, est happée par des mains invisibles. Elle disparaît, dévorée par les ténèbres. Orphée se précipite, il plonge dans la nuit sans fond, et cette fois, se jette aux pieds du souverain des enfers et de sa reine. Il les implore. En vain. C'est impossible, réplique Hadès. Cette fois-ci, nous ne pouvons plus rien pour toi. Et Orphée est reconduit à la surface. Par quelle folie Orphée a-t-il cédé à la tentation de regarder Eurydice? Pourquoi? Cette énigme, nul ne l'a jamais éclaircie. Mais elle témoigne bien de cette difficulté que rencontrent les mortels parfois. C'est quand tout semble gagné, lorsque les épreuves les plus difficiles paraissent surmontées et qu'il ne reste plus qu'un tout petit obstacle, banal, anodin, que la tentation du vertige l'emporte et renverse tout sur son passage. Orphée représente ainsi nos rendez-vous manqués, les amours ou les amitiés que nous avons laissés s'enfuir. Lorsqu'il revient du monde souterrain, Orphée, le lumineux Orphée, musicien de génie, poète inégalé, ressemble à un spectre. Il est inconsolable. Il décide de s'exiler du monde et de vivre en ermite pour le restant de ses jours. Le cœur serré, l'âme au bord des lèvres, Orphée passe ses nuits à observer les étoiles, guettant un signe qui jamais ne vient. Une tristesse infinie consume tout son être. Il ne compose plus que mélodies déchirantes et hymnes mélancoliques. Un jour, parce qu'il refusait de chanter et de danser avec elle, les Ménades, les exubérantes suivantes du cortège de Dionysos, s'emparèrent de lui. Ces femmes possédées, adoratrices de Dionysos, qui ne supportaient plus ses lamentations, ces femmes folles, le taillèrent en pièces. Ivres de rage, les Ménades coupèrent la tête d'Orphée avant de la jeter dans le grand fleuve. Et là, chose extraordinaire, on vit la tête décapitée du malheureux Orphée flotter et continuer de chanter la complainte des amours perdus, tandis que le courant l'emportait vers la mer, jusqu'à l'île de Lesbos. En apprenant la mort d'Orphée, les animaux au fond des bois se mirent à pleurer. Les oiseaux, affligés, cessèrent de chanter. Les grands chênes et les puissants tilleuls perdirent leur feuillage et prirent le deuil, tandis que les rivières et les torrents débordèrent sous le poids de leurs larmes. Quant aux muses, restées fidèles, elles rassemblèrent les membres épars d'Orphée et les enterrèrent au pied du mont Olympe. Elles confièrent à Zeus la lyre du poète. Zeus la prit, la fixa près de lui, au beau milieu du ciel étoilé, afin que soit honorée la mémoire de cet amant malheureux, et pour qu'il assure à jamais l'harmonie de l'univers. De l'instrument magique d'Orphée, où s'incarnent encore son âme et son esprit, est née une constellation. On peut l'admirer certains soirs où la nuit est profonde. C'est la constellation de la lyre.